Bonjour Multicoq Mag, je me présente, Erwan de Villefranc, donc je suis responsable du développement produit chez Fontaine Pajot. Nous sommes à bord de Laura 51, le nouveau Fontaine Pajot qui vient donc s'intégrer dans la gamme et qui vient en remplacement du Saba 50. Donc nous avons fait un essai ce matin, les conditions étaient excellentes puisque nous avons eu 15 nœuds établis et nous avons fait une pointe à un peu plus de 10 nœuds. Donc pour un bateau de croisière comme celui-ci, c'est vraiment excellent. Nous sommes donc dans le carré cuisine. Ici, vous découvrez l'espace cuisine avec beaucoup de rangements. Particularité de cette cuisine, c'est qu'elle déborde dans le cockpit, comme vous pouvez le voir ici. Elle comporte aussi un îlot central dans lequel vous avez beaucoup de rangements et aussi la possibilité de rajouter un frigo ou un freezer. Dans cette partie-ci, eh bien, vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir cuisiner, faire de bons petits plats avec son four, sa plaque chauffante et l'emplacement pour le micro-ondes. Mais une chose spécifique sur laquelle on a vraiment insisté, c'est la convivialité. Convivialité parce que lorsque la baie est complètement ouverte, eh bien, la personne qui se trouve dans la cuisine peut continuer à discuter avec les personnes qui sont dans le cockpit, mais aussi être en contact avec le skipper, puisque là, on voit d'ici le poste de bord. Nous avons sur le 51 repris l'idée que vous connaissez maintenant, par exemple sur l'Elba 45, avec cette longue méridienne qui permet d'avoir un espace de relaxation, mais aussi en navigation, quand le temps est mauvais, d'être à l'abri et de pouvoir surveiller votre bateau. C'est-à-dire que vous allez avoir au-dessus le hublot zénithal qui permet de contrôler les voiles. Vous avez une vision à 360 degrés. Et pour pouvoir contrôler le bateau, vous avez la possibilité de connecter une tablette avec son branchement et son rangement. Tout ce qu'il faut pour pouvoir naviguer au chaud et dans un confort total.